Kimiko, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que cette vidéo en fait elle a été faite plein de fois sur YouTube et j'en vois encore qui passent pendant les semaines. Donc je vais bien sûr parler de la brosse chauffante, lissante de, bah moi personnellement la marque c'est Silvercrest. Donc voilà, je vais parler de ce produit aujourd'hui, je vais le tester en vidéo. Enfin, je vais tout vous expliquer. Donc surtout, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si c'est pas fait. N'oublie pas qu'à mes 14 000 abonnés, pour le jour de Movie Star Planet, il y a donc un VIP offert. Donc je ne sais pas encore combien de temps. Donc voilà, juste pour vous prévenir. Donc n'hésite pas aussi d'activer la petite cloche à côté, de s'abonner sur mon profil YouTube. Comme ça, tu pourras être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et tu ne seras jamais en retard de quoi que ce soit. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comme je disais, aujourd'hui je vais faire cette vidéo sur cette brosse. Donc vous allez pas trop me croire, mais je l'ai eu à Lidl. Donc à Lidl, vous savez tout ce que c'est, hein. C'est un petit magasin où c'est genre le gros bordel. J'ai vu cette brosse dans ce magasin, j'étais plutôt choquée parce que personnellement je n'en trouve dans aucun magasin à part dans les grands magasins, genre dans les trucs de... Je sais plus si c'est Sephora, une connerie comme ça. Bref, mais moi je peux pas y aller. Donc quand j'ai vu hier qu'il y avait ça dans le magasin, j'ai fait what the fuck, c'est pas possible. Ok, bon bah faut absolument que je l'achète parce que là c'est une... mon petit bijou maintenant, ça va être... Je sens que ça va être mon bijou s'il fonctionne bien et si ça est assez efficace. Donc je tiens à préciser que mes cheveux n'ont pas été... Enfin si, ont été lissés mais doucement. N'ont pas été lissés partout et en fait ils sont bouclés surtout vers le bas. Donc on voit des petites... putain, ils sont encore emmêlés. Oh, pauvres cheveux de merde. Donc voilà, des cheveux totalement bouclés. Donc à la base, j'ai pas les cheveux bouclés comme ça. Normalement, j'ai une touffe énorme, mais je vous le montrerai jamais. Parce que je peux pas. C'est hors de moi. Donc aujourd'hui, je vais en profiter pour me lisser les cheveux. Mais genre de faire une partie. Donc une partie lisse et une partie bouclée. Donc pour vous montrer un peu la différence. Donc je vais vous montrer un peu comment, à quoi elle ressemble. Donc je vais l'ouvrir parce qu'en fait hier j'ai décapité la boîte. Mais en fait j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une ouverture ici. Oui, Melo Kimiko. Ça ressemble à ceci. Trouvé super grosse. Enfin j'en avais vu des brosses et en fait elles étaient toutes petites. Et c'était vraiment pour les cheveux très très très... Enfin qui sont fins en fait. Mais moi j'ai les cheveux très épais. Donc je sais même pas si ça va le faire. Donc... allons-y, déballons la boîte. La notice, hein, faut pas l'oublier. Et donc voici la brosse. Donc là voici. Donc, derrière ça doit être une espèce de matière bizarre en fait qui fait qu'on peut pas se brûler avec en fait. Et voilà. Donc enfin ça m'a l'air bizarre. Enfin c'est tout. Enfin c'est tout dur. Hein. Et voilà, c'est tout dur. Ah non, là c'est mou. Bref, voilà. Donc plus, moins, allumé, hein. Je vais la brancher et je vais tout de suite la tester. Donc voilà, je vais la mettre à chauffer déjà. Alors voilà, j'ai mis la brosse. Donc je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle fait une espèce de petite lumière et tout. Ok, on peut le mettre maximum à 180 degrés. Donc je sais plus à combien mon lisseur était. Mais je pense que je vais mettre à... pour éviter de trop m'abîmer les cheveux, je vais mettre à 170. Donc à 170, donc c'est parti. Donc je vais attendre qu'elle chauffe et je vous reprends après. Oui, cette brosse aussi, je précise, je l'ai eu à 14 €. Donc voilà, 14 €, c'est pas non plus la fin du monde. Donc re tout le monde, donc la brosse elle est bonne. Donc je l'avais mis à 180 mais je me suis dit ça va être trop, donc je l'ai rebaissé. Et donc je vais tout de suite la tester avec une mèche. Donc on va laisser cette partie là bouclée parce qu'en fait là il y a mes petits cheveux et je sais pas encore si j'aurai l'habitude de lisser ce genre de partie là. Donc on va voir. Donc on va tester cette partie, donc vous voyez elle est ondulée pardon. Donc par contre cette mèche là j'ai pas confiance. D'utilisation, je préfère vachement la brosse parce que le lisseur, c'est chiant. Je vais tester ce bout là.
Oula, qu'est-ce que tu fais toi? Donc je vais tester ce bout-là. C'est encore un peu bouclé. Il y a encore des parties qui sont bouclées parce que je n'ai pas trop fait. Je l'ai pas trop fait, voilà. Et de ce côté-là, c'est un champ de bataille. Donc je vais continuer un peu et on va voir. Voilà pour ce côté-là et ce côté-là qui est totalement, on va dire, presque naturel. Donc franchement, il faut prendre un petit peu plus son temps, mais franchement, j'adore cette brosse. Je valide totalement cette brosse, elle est paix. Et en plus, elle lisse très très bien, elle chauffe bien. Bon, j'ai oublié quelques trucs, mais c'est des points sensibles. Et j'aime pas trop m'y aventurer. Bref, voilà pour ce test de brosse. Et ben, je peux vous dire que j'aime beaucoup le résultat que ça fait. Et franchement, je vais pas me gêner de faire de l'autre côté. Et ouais, j'adore énormément. Donc sur ce, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres tests sur différents produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quel produit ou quelle chose vous voudrez que je teste. Et je le ferai en vidéo, il n'y a pas de souci. Dites-moi en barre d'infos si vous voulez que je fasse le slime. Parce que je m'y suis mise et je voudrais savoir si vous voulez une vidéo dessus, comme ça, histoire de... Voilà. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous tout le monde!